Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, encore un nouveau jour qui se lève. Quand je vois, ma chérie, on est déjà le 13 octobre. On est quasi la moitié de ce mois Ça passe très vite. est passée à une de ces vitesses. On est bien content parce que certains s'attendent à ce que le 1er janvier, on prenne de nouvelles résolutions. Mais je crois qu'il vaut mieux quand on est persuadé de quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est de ne pas remettre au lendemain ce qu'on doit faire. Vaut Amen. mieux prendre une nouvelle résolution déjà aujourd'hui, même si on est le 13 octobre, c'est pas grave. Tu as anticipé ta bénédiction, mon frère, ma sœur. Amen. De plus, nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Donc, autant nous mettre en accord jour après jour avec la parole de Dieu. Amen. Et en ce jour, j'aimerais prendre Matthieu chapitre 21, verset 21. Je crois que c'est un passage que nous avons déjà lu d'innombrables fois, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, comme il nous le met encore à cœur, je crois que c'est parce qu'il y a un but. Je crois qu'il y a peut-être un autre échelon de la foi qu'il va falloir monter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Amen. Et Matthieu chapitre 21, verset 21 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je voudrais que vous regardiez ce qu'il est mis. C'est Jésus qui dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, est-ce qu'il y a un mensonge là-dedans? Non. Et regardez ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité. Donc Jésus est en train de mettre sa parole en jeu où on va pouvoir l'éprouver et qui dit. Si vous aviez. Donc s'il dit si vous aviez, c'est comme il ne l'avait pas là, à ce moment-là. Il dit si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est important, et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est Ne confessez pas le doute. Ce passage est fort. Parce que ce passage, mon frère, ma sœur, comme nous l'avons lu il y a quelques jours d'ici, où nous avons pris cette deuxième partie qu'on disait que cette montagne, on dit ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça se fera. Jésus, dans le contexte de ce passage, nous dit que si nous avons de la foi non pas la foi humaine, mais la foi biblique, et il dit, et si tu ne doutes pas, et combien de choses aujourd'hui ne se sont pas réalisées, où on dit, voilà, est-ce que Dieu veut me guérir? Quand on se pose la question, est-ce que Dieu veut me guérir? Ça veut dire que déjà nous avons le doute. Donc déjà là, mon frère, ma sœur, ne t'attends pas à avoir quoi que ce soit, tu n'auras rien. Mais la Bible, elle me dit que si je ne doute pas, comme il a été fait à ce figuier, il dit, je vous dirai à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça va se faire. Donc mon frère, ma sœur, la croissance spirituelle est semblable à la croissance physique. On ne devient pas adulte physiquement d'un jour à l'autre. Ne vous découragez donc pas quand vous ne devenez pas adulte spirituellement d'un jour à l'autre. Commencez à mettre en pratique la parole de Dieu et vous croîtrez spirituellement. Ne confessez pas vos doutes. Le doute entravera votre croissance spirituelle. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont honnêtes lorsqu'ils expriment leurs doutes. En tant que chrétien, mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas plein de doutes. Il doit y avoir quelque part un peu de foi dans votre cœur. Sinon, vous n'auriez pas pu être sauvé. Parce que nous le savons, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés à partir du moment où il y a ce petit grain de senevé dont la Bible parle et dont Jésus a parlé, que si nous avons un petit grain de senevé, nous dirions à cette montagne de sauter de là et d'aller se planter dans la mer. Et ça va arriver. Ne dis pas, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas de foi, parce que si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, si tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, eh bien alors ce petit grain de senevé est déjà présent en toi. Et qu'est-ce qui bloque que ce que tu proclames n'arrive pas? C'est que tu as un doute dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ça, ce doute, mon frère, ma sœur, c'est ce qui va entraver. Nous avons vu hier que la crainte entravait, mon frère, ma sœur, mais le doute, c'est la même chose, mon frère, ma sœur. Quand on doute de la parole de Dieu, quand on doute des promesses que Dieu nous a faites, vous savez que c'est une racine d'orgueil.
ça veut dire que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et malheureusement, mon frère, ma sœur, toi et moi, et nous tous, nous ne savons rien. Nous ne savons rien, même pour notre vie, de ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qui est mieux pour nous, ce qui est meilleur pour nous, mon frère, ma sœur. La Bible nous explique, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, nous voyons que déjà la foi est présente à partir du moment où nous sommes réellement sauvés, mon frère, ma sœur. Au lieu de confesser des doutes, pourquoi ne pas dire « Je suis croyant et j'ai la foi ». Si vous êtes sauvés, vous savez que vous l'êtes. Confessez qui vous êtes en Christ. Ne confessez point vos doutes. Le révérend Bosworth lança un défi. Doutez de vos doutes et croyez vos croyances. Quelle merveilleuse parole. Quelle merveilleuse. Oui, mon frère, ma sœur, doute de tes doutes. Ça, tu peux douter. Mais ne doute pas de ta croyance. Mais au contraire, crois en ce que la Bible dit. Crois en ce que cette émission, depuis le 1er janvier, nous disons. Et nous voyons que ce que nous disons ne vient pas d'une parole de Karine ou de Salvatore, elle vient de la parole de Dieu, la seule et unique vérité. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens croient à leurs doutes et doutent de leurs croyances. La décision de douter de ses doutes et de croire ses croyances mène à la victoire si l'on persiste à le faire. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, pour les couples qui sont mariés, je voudrais dire quelque chose. Pourquoi je suis certain que Karine, elle m'aime? Mais parce que journalièrement, elle me montre son amour. Et la même chose, moi, vis-à-vis de Karine, je lui démontre mon amour pour elle. Amen. Et je crois que Karine n'a plus de doute à avoir vis-à-vis de moi. Elle aurait pu en avoir au début de notre fiançailles, au début de notre mariage, parce que ça faisait peu de temps qu'on se connaissait. Cette année, ça fait 26 ans que Karine et moi, nous sommes mariés. Vous croyez que moi, Salvatore, je devrais douter de l'amour que Karine a vis-à-vis de moi? Ou Karine devrait douter de l'amour que moi j'ai vis-à-vis d'elle? Non, mon frère, ma sœur. Nous n'avons pas à douter parce que nous avons appris à nous connaître durant toutes ces années. Ici, ça fait 26 ans et nous savons que nous avons encore, ma chérie, d'innombrables années encore devant nous. Et donc, plus cet amour, mon frère, ma sœur, plus cette communion, plus cette intimité va s'installer dans notre vie journalièrement, et plus nous allons avoir confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu, mon frère, ma sœur. Plus tu passes par des épreuves et plus tu vois que Dieu a été bon par le passé, tu crois qu'à un moment donné, Dieu va te dire, non, voilà, maintenant, aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, je décide, mon enfant, de ne plus te faire de bien. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu veut que jusqu'à la fin de notre jour, jusqu'à notre dernier jour, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à ce merveilleux jour de l'enlèvement, mon frère, ma sœur, Dieu veut montrer sa fidélité et son amour envers nous. Nous, la même chose, mon frère, ma sœur, quand nous n'avons pas, comme nous l'avons dit hier, la crainte, et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le doute. Eh bien, mon frère, ma sœur, nous voyons que quand nous avons ces deux ingrédients de la foi, mon frère, ma sœur, ben, nous voyons que Dieu vient dans nos vies et nous démontre chaque jour son amour. Il est un bon père, il est une bonne mère, il est un excellent conseiller, il est un excellent amoureux de toi et de moi, mon frère, ma sœur. Et vous croyez que Dieu va nous abandonner? Non, la Bible, elle nous dit que si même nous, nous le renions, lui ne nous reniera pas. Lui ne nous reniera pas parce que lui est un bon père. Je ne sais pas quelle est la vision que tu as d'un bon père ou d'une bonne mère, mais crois-moi bien, ce n'est pas ce que nous pouvons voir humainement parlant. Dieu a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je crois que lui, il aime vraiment. Lui, Dieu, est l'expression parfaite de l'amour. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, mes bien-aimés. Amen, amen.
Et nous voulons, mes bien-aimés, encore porter nos regards aujourd'hui sur cette déclaration, cette pensée qui a été donnée aujourd'hui, et ne pas confesser nos doutes. C'est vrai que le doute peut arriver, le doute peut se présenter dans nos pensées, mais nous devons immédiatement le détecter et le repousser loin de nos vies. Parce qu'il ne nous mènera pas à la bénédiction, mais au contraire, il sera un blocage, une barrière pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction et recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alors nous voulons de nouveau porter nos regards sur la confession de la foi et non la confession de nos doutes. Si nous regardons dans Romains 4 au verset 20, il dit à propos d'Abraham, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Mes bien-aimés, les promesses que Dieu nous a faites, quelle que soit la promesse, mon frère, ma sœur, que Dieu t'a donnée, t'a faite et t'a confirmée par ses serviteurs et ses servantes, quelle que soit cette promesse, même si au jour d'aujourd'hui tu ne l'as toujours pas vue se réaliser dans ta vie, ne doute pas dans ton cœur. Ne doute pas, ne laisse pas le doute venir court-circuiter la promesse que Dieu t'a faite. Mais sois fortifié dans la foi afin que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Sois fortifié dans la foi parce que nous servons un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Il est fidèle, amen. Il ne ment pas. N'inversons pas les rôles en disant que Dieu t'a fait des promesses et qu'elles ne se sont jamais réalisées, donc Dieu t'a menti, Dieu t'a manipulé. Ne rentre pas dans ce genre de pensée. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais reconnais que ton Dieu est un Dieu fidèle, vrai, qu'il n'y a aucun mensonge dans tout ce qu'il proclame. Et s'il dit qu'il est l'Éternel qui te guérit, crois-moi bien, tôt ou tard, si tu demeures dans l'attitude de la foi, tu verras cette guérison se manifester dans ton corps. Et tu seras un témoin puissant entre les mains de Dieu, qui témoignera, qui déclarera, qui confessera et prouvera par ta propre vie que l'Éternel n'est point un Dieu qui ment, mais bien un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Ne confessons pas nos doutes, ne rentrons pas dans le chemin que l'ennemi trace devant nos pas pour nous dévier de la bénédiction. Il y a une bénédiction devant tes pas, mon frère, ma sœur. Et cette bénédiction, c'est la provision que Dieu a pourvue pour ton besoin. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ton épreuve, le combat que tu mènes, au jour d'aujourd'hui, il y a dans le calendrier divin un jour qui est marqué d'une croix et qui détermine la fin de cette épreuve. Et tu gagneras cette épreuve. Tu sortiras victorieux et bien plus victorieux que tout ce que tu n'aurais jamais pu penser ou même imaginer. Amen. Mais pour cela, il te faut combattre le bon combat de la foi. Il te faut rester dans une attitude de foi, même si tes yeux ne voient que le contraire aujourd'hui, même si tes oreilles n'entendent que le contraire aujourd'hui, demeure dans l'attitude de la foi, mon frère, ma sœur, et ne confesse pas tes doutes, tes peurs. La peur te dira toujours « ça ne marche pas, ça ne sert à rien que tu continues ». Mais l'attitude de la foi est différente, car la foi te dira « essaye ». Encore une fois, amen. Encore un pas de plus, essaye. La peur te dira « tu dois abandonner, rien ne marche, laisse tomber ». Mais la foi te dira au contraire « continue, marche, tu es sur la bonne voie, tu vas y arriver ». La peur te fera dire « je n'en peux plus, je n'ai plus de force ». Alors que la foi te dira dans ton fort intérieur, dans les profondeurs de ton âme, « encore un pas de plus, nous allons passer cette ligne d'arrivée, nous allons gagner notre combat. Fais encore un effort ».
La peur te dira « Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas l'intelligence qu'il me faut pour arriver à bout de cette épreuve. » Mais la foi te dira « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux y arriver parce que celui qui me fortifie est bien plus grand que toutes ces épreuves qui se dressent devant moi. Celui qui me fortifie me donnera la capacité, me donnera l'intelligence, me donnera la force d'y arriver et de venir à bout de cette épreuve. La peur te dira, cette difficulté est trop grande pour toi. Laisse tomber. Mais la foi, une fois de plus, viendra te rappeler que la parole de l'Éternel est celle-ci. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Amen. Oui, avec Dieu, tu peux faire des exploits. Des choses que tu n'avais pas entreprises auparavant. Des choses que tu n'avais pas méditées dans ton esprit. Des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé pouvoir arriver. Mais avec Dieu, tu peux faire des exploits. Tu peux y arriver, tu peux faire un pas de plus, tu peux gagner ce combat, tu peux être béni au-delà de toutes les bénédictions. Tu peux être guéri de cette maladie que les médecins ont déclarée incurable. Amen. Tu peux, car Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire sur l'œuvre de la croix en versant son sang pour nous donner la guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Mes bien-aimés, la victoire nous a déjà été acquise. À nous de la prendre, à nous d'en prendre possession par la foi. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est un grain de sénévé, un grain de foi, de confiance en notre Dieu, parce que nous savons qu'il est un Dieu fidèle et qu'il ne ment pas, et que tout ce qu'il a proclamé dans nos vies, nous arriverons à en prendre possession. Oui, mes bien-aimés, vous êtes victorieux. Et aujourd'hui est encore un jour de grâce qui vous est offert pour prendre votre victoire. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez fortifiés, soyez restaurés, soyez délivrés, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.